dans un nouveau vlog. Nous sommes mardi. J'ouvre ce vlog un petit peu tardivement. Hier, c'était jour férié, 1er novembre. Donc hier, j'ai voulu profiter un peu de la journée avec mon chéri et prendre du temps pour moi. Donc c'était bien sympa. Donc voilà, bienvenue dans un nouveau vlog. Je suis en télétravail aujourd'hui. Donc là, je profite de quelques minutes de pause. J'ai une réunion qui s'est terminée un peu plus tôt. Donc, je profite de ces quelques minutes pour ouvrir ce vlog et vous montrer. Je me suis fait un cadeau. Je suis trop, trop contente. Je me suis acheté un extracteur de jus. Un truc un peu kitsch et tout, mais moi, j'adore ça. Donc là, je teste mon premier jus. Donc là, j'ai testé carotte-pomme. Bon, je ne sais pas trop ce que ça sent. Pas du tout les fruits, les jus de fruits du supermarché. Donc je vais tester ça, je vais voir, ça fait longtemps que je voulais une machine, un extracteur de jus. Donc là il y a eu une promotion sur un modèle, voilà, donc j'ai sauté sur l'occasion, j'avais trop hâte de tester. Donc voilà, bref, bon maintenant que je vous ai raconté ma vie, côté week-end, vous verrez dans le... Normalement vous avez vu dans le vlog précédent, hier j'ai pas beaucoup lu... J'avais pas trop le moral et vous savez, le moment, quand vous lisez et vous lisez, je sais pas, deux, trois phrases et puis votre esprit part ailleurs. Voilà, j'étais un peu dans ce mood-là tout le week-end. Donc, j'ai préféré ne pas insister et voilà. Donc, du coup, j'ai surtout regardé des films, des séries. Donc, ça nous a fait du bien aussi. À moi, ça m'a fait du bien, du moins. On a regardé... donc des films, ça je vous en ai parlé dans le vlog précédent, mais hier on a regardé la dernière saison de You sur Netflix. J'ai pas aimé. Je sais pas si je suis la seule, enfin je sais pas si d'autres parmi vous n'ont pas aimé non plus, mais moi j'ai pas du tout aimé cette dernière saison. Je trouve que ça va dans tous les sens, enfin je sais pas, je trouve qu'on s'éloigne un peu de l'esprit de la première saison que j'avais adoré. Bon, enfin bon, donc du coup, ouais, j'ai pas trop aimé ce que j'ai regardé hier. Tant pis. Donc voilà, aujourd'hui, donc nouveau mois qui commence. J'ai toujours pas préparé mon planning du mois. Du moins, je sais, j'ai listé un petit peu ce que je voudrais lire ce mois-ci. Donc là, je vais préparer mon planning avec les dates et tout ça, tout ça. Et puis après, je vous montrerai ça. Mais là, il va falloir que j'y retourne. Je vais aller continuer à travailler et puis peut-être que je ferai ça sur l'heure du midi. Et si c'est le cas, je vous montrerai. Voilà, je vous fais des bisous et je vous dis à tout à l'heure. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On est mercredi. Je ne sais jamais quel jour on est, c'est incroyable. On est mercredi. Ça y est, c'est l'heure du déjeuner. Je suis encore en télétravail aujourd'hui. Avant de déjeuner, je me suis fait mon petit jus. Vous savez, hier, je vous l'ai présenté, je crois. Je me suis acheté un extracteur de jus. J'en voulais un depuis longtemps. Et donc là, je l'ai acheté ce week-end. Et depuis, je m'éclate à faire des jus. Donc là, pour aujourd'hui, j'ai fait pomme, carotte, concombre, un peu de jus de citron pour donner du goût, parce qu'en fait hier je me suis rendu compte que sans citron c'est pas très bon, et j'ai mis un peu de gingembre et de curcuma parce qu'apparemment ça fait du bien. Donc là je bois mon petit jus et en fait c'est bon, hein, c'est vraiment bon. Bon, il faut aimer les jus qui ont pas de sucre du coup évidemment, mais par contre c'est vraiment bon et c'est pas si liquide que ça, donc je sais pas si c'est la machine qui est pas optimal ou alors si c'est normal que ça soit comme ça, mais c'est pas si liquide, ça fait un peu smoothie, non pas smoothie, ça fait un peu, vous savez quand on achète des jus, on peut les acheter très liquides ou alors un peu épais, bon voilà, ça fait un peu épais, mais sinon c'est bon. Donc pendant que je bois mon jus et avant de déjeuner, puisque pour le moment je n'ai pas encore très très faim, je prépare mon calendrier, enfin mon calendrier, mon planning de lecture du mois de novembre. Donc j'avais déjà fait la liste de tout ce que je souhaitais lire sur le mois de novembre et je vais faire ça avec vous. Qu'est-ce que je voulais vous dire de plus? Du coup, je reprends mon planning Ah, celui-là, je l'ai lu. Attendez, je ne l'ai pas noté. Du coup, je reprends mon planning de octobre
Et au final, j'avais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Non. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 livres à lire. Je me suis trompée parce que dedans, j'avais mis des livres que j'avais lus dans le cadre d'Électrice Charleston, mais qui sont sortis ce mois-ci, enfin le mois d'octobre. Et je les avais notés pour pas oublier de publier la chronique, sauf qu'entre-temps, je ne les ai pas reçus encore. Enfin, la version finale, je ne l'ai pas reçue, donc je ne peux pas publier. Je bois un petit peu pour m'hydrater. Le citron, ça donne un trop bon goût. Donc voilà, donc du coup j'ai tout lu sauf H-Man à Buenos Aires que je vous ai présenté dans le vlog précédent. D'ailleurs j'ai eu pas mal de retours me disant que vous aviez aimé, enfin qu'il vous tentait beaucoup. Je vais peut-être proposer une lecture commune, je ne sais pas. Enfin dites-moi en commentaire si ça vous intéresserait de faire de le découvrir en lecture commune. Moi ça ne me dérangerait pas de le lire en lecture commune à vrai dire. Parce que je sais que c'est un roman qui, moi, m'intéresse. Après, ce qui m'intéresse, moi, peut ne pas intéresser tout le monde. Mais si ça intéresse d'autres personnes comme thème, je vous invite à aller revoir mon vlog précédent où je vous présente ce livre. Et si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me laisser un commentaire. Et puis, on organisera une lecture commune. Voilà. Voilà. Donc, Hetchman, je ne l'ai pas lu. Le silence des vaincus, je devais le lire en lecture commune, finalement, je ne l'ai pas lu. Et le dernier. Et d'un seul bras, la sœur va laisser sa maison. Bon, celui-ci, je ne l'ai pas lu non plus. Et Sa Majesté mène l'enquête, du coup, je le lis début novembre, parce que j'ai pris du retard la semaine dernière. Donc, c'est déjà pas mal. Et j'en ai lu un que j'avais pas prévu, Vermicelle. Donc, ça nous fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9 livres lus au mois d'octobre. Pas mal. Je crois que depuis, c'est la première fois que je lis autant. Et je pense que le planning aide beaucoup aussi. Je précise. Donc voilà. Donc là, en fait, je vais vous montrer. Je vais tourner la caméra pour bien vous montrer comment j'organise mon cahier. Et puis voilà. Et si. Bah non, attendez. Avant de faire ça, je vais vous parler. Vous lister, j'ai du mal à parler aujourd'hui. Je vais vous lister ce que j'ai prévu de lire ce mois-ci. Donc j'ai le tome 2 de Meurtre. Vous savez, le tome 2, le premier c'était Meurtre et pépites de chocolat. Le tome 2 c'est Meurtre et Charlotte aux fraises de Johan. Je ne sais plus. Swenson. Non, ça c'est les enquêtes d'Anna Swenson et l'autrice elle s'appelle. Je ne me souviens plus. Bref, le tome 2. J'ai prévu de le lire, je crois. Première semaine, donc là ça sera cette semaine. Ensuite, j'ai Mademoiselle Coco. J'ai pas prévu de prendre les livres avec moi, mais quand je vais couper pour vous montrer, j'irai chercher les livres. Mademoiselle Coco, qui est un roman qui est sorti il y a longtemps, je crois que c'était l'année dernière. Et je l'ai acheté au moment de sa sortie, ou peu de temps après, et entre-temps, je ne l'ai jamais lu. Donc là, je prévois de le lire là, ce mois-ci. Ensuite, je vais sûrement enchaîner avec le tome 3 de Meurtre et Pépites de chocolat. Mais le 3, il s'appelle Meurtre et Muffin aux myrtilles. D'ailleurs, j'ai trop envie de faire des muffins aux myrtilles. C'est un peu ma prochaine pâtisserie. Je crois que je cherche en fait des moules de muffins qui ne coûtent pas 25 euros, soyons honnêtes. Donc j'en cherche et pour le moment j'ai pas trouvé de moule comme je veux. Donc j'aimerais bien des moules en silicone. Bon, je sais pas si c'est l'idéal ou non. Faudrait que je regarde. Faudrait que je regarde. Mais j'ai trop 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 envie de faire des muffins aux myrtilles. Ensuite j'ai prévu de lire le dernier King que j'ai reçu d'Albin Michel. Il s'appelle Après. Le dernier Eric Emmanuel Schmitt, je suis trop contente. Mais peut-être que je vais lire le Schmitt avant de lire le King, parce que j'ai trop 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 envie de le lire, donc je vais peut-être le monter dans la liste, parce que j'ai trop 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 envie de le lire. Ensuite, j'ai À la fin tout commence. À la fin tout commence, c'est le dernier roman de. Je vous avais parlé dans mon tout premier vlog, je vous avais parlé de cette autrice. Si vous entendez des bruits, c'est les voisins qui font des travaux. Donc, je suis désolée si ce n'est pas agréable pour vous, mais là, je ne peux rien faire. Désolée.
Donc à la fin tout commence, c'est le dernier roman de l'autrice dont je vous avais parlé dans mon tout premier vlog, Georgina Tunasorin. Et donc j'ai prévu de le lire ce mois-ci. Ensuite j'ai prévu de lire Le Loup des Cordeliers, qui est le premier tome d'une saga historique qui se passe, il me semble, au moment de la Révolution française. Donc j'ai trop 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 envie de le lire. J'ai prévu également de lire Le Lit d'Eleanor, pardon. Et le dernier, c'est Fleur de sang, un roman que je vais recevoir des éditions Michel Lafon, que j'ai trop trop hâte de découvrir. Donc voilà, je vais boire mon thé. Mon thé. C'est n'importe quoi, cette séquence c'est du n'importe quoi, je suis désolée. Je vais finir mon jus parce que apparemment faut pas attendre trop longtemps une fois qu'on a fait l'extraction de jus pour le boire, parce que sinon on perd toutes les vitamines. Donc ça serait un peu dommage. Donc je vais finir ça, je vais préparer les romans et je vous reprends après pour vous montrer comment j'organise mon cahier de lecture. Voilà, je vous fais des bisous. Donc voilà, j'ai été chercher tous mes livres qui sont ici. Je ne sais pas si vous les verrez. Là, voilà. Et ici, on a mon carnet. Donc voilà. Donc là, je vais préparer. Donc ça, ce sont les pages d'octobre. D'un côté, j'ai mon calendrier de publication. Donc quand est-ce que je prévois de publier quelle chronique. Ou si j'ai des idées de publication. Enfin voilà, peu importe. Et ensuite, j'ai la liste de tout ce que je dois lire, avec la date à laquelle je prévois de commencer à le lire. Après, moi, je ne me mets pas la pression, hein. Ça, c'est vraiment un planning, histoire de planifier, parce que sinon, je suis perdue dans tout ce que je dois lire entre les SP, les lectures, où je dois rendre une chronique à une certaine date. Bref, moi, ça me perd. Donc, je préfère le faire comme ça, et honnêtement, pour moi, ça marche bien. Ensuite, j'ai le titre du roman. Avant, j'avais le détail, le titre du roman, la maison d'édition, etc., l'auteur, blablabla. Mais au final, j'ai supprimé ces colonnes-là, déjà pour une question de place et aussi parce que, une fois que j'ai le titre, je sais de quel roman il s'agit. Et ensuite, j'ai quatre colonnes. Donc, pour ces quatre colonnes, moi, je me suis inspirée d'un des vlogs que Sarah avait fait, donc Mrs. Bookiamonde, où elle parlait, enfin, elle faisait un carnet un peu du même genre, et elle a mis des colonnes en plus que moi je n'avais pas, et j'ai trouvé que c'était une bonne idée. Donc c'est le lu, chroniqué, photo et posté, donc ce qui me permet de m'y retrouver. Donc partout, donc voilà, je sais ce que j'ai lu et ce que je n'ai pas lu, et je sais ce qui est déjà chroniqué et ce qui n'est pas encore posté. Voilà, et voilà. Donc là, on est parti. Donc là, j'ai écrit au crayon à papier l'ensemble des romans que je souhaitais lire. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Là, je vais faire mon calendrier. Comment j'avais fait ça? Ok. Et donc, on est reparti.
tonique est à peu près terminé. Il me restera juste un peu de couleur à mettre de ce côté-là, à le remplir. Ici, je vais commencer à réfléchir à dans quel ordre je veux lire les livres que j'ai dans ma liste. Pour le planning, il faut que je reprenne ce que je n'ai pas encore posté du mois précédent et que je les replanifie sur ce mois-ci. Voilà, après je suis en train de... Ouais, bon, on va regarder. Je viens d'avoir une idée, mais je faut encore que je la mûrisse. Donc voilà, donc là j'ai ce planning-là qu'il faut que je retravaille avec, en premier lieu, ce que je n'ai pas posté le mois précédent. Et ensuite, que je définisse dans quel ordre je veux lire mes romans de ce mois-ci pour qu'ensuite je remplisse la suite du planning. Voilà, donc s'il y en a qui se posent la question pourquoi j'ai une colonne en trop et j'ai 8 jours dans ma semaine, c'est parce que je me suis loupée. Je me suis trompée, donc tant pis, c'est pas grave, ça sera une case commentaire ou je trouverai un truc. Voilà, sinon comment j'ai organisé, c'est aussi simple, j'ai refait un calendrier basique avec les jours de la semaine, les jours de la semaine et les numéros de semaine. Voilà. Et puis voilà. On est pas mal là. Donc quelle heure il est? Je vais pas tarder à aller me faire à manger parce que j'ai faim, ça y est, ça commence. Donc ça, je vais laisser un peu sécher parce que j'ai mon encre, mon stylo, il a un peu bavé. Donc, je vais le laisser sur le côté sécher. Et là, je vais reprendre mes petits romans. Donc ça, c'est celui que je vous avais présenté dans mon premier vlog. Celui-ci, je l'ai reçu la semaine dernière. Celui-ci également. Et en fait, pour définir dans quel ordre je veux lire mes romans, je regarde déjà par rapport au genre. Je ne vais pas lire deux fois le même genre de suite. Par exemple... Tome 2 et tome 3, je sais pas si vous le voyez bien, tome 2 et tome 3, je ne les lirai pas à la suite. Voilà, je vais les caser à deux moments différents dans le mois. Donc je vais regarder ça et puis je vous reprends après. Ciao! Donc voilà dans quel ordre je vais lire tous les romans de ce mois de novembre. Après, je ne me mets pas la pression si en cours de mois j'ai envie de changer. Et de lire autre chose parce que ça me fait plus envie, je change, je me mets pas la pression et je veux dire ce que je définis aujourd'hui, je peux très bien le changer en cours de route, mais dans l'idée, donc je vais commencer juste après ma lecture en cours, je commencerai Meurtre et Charlotte aux fraises, ensuite je lirai le dernier d'Eric Emmanuel Schmitt que j'ai trop envie de lire, donc ça fait 10 000 fois que je vous le dis, donc je l'ai casé juste après celui-ci, et je le lis pas en premier parce que celui-ci est une lecture commune. Donc je me suis engagée, il faut que je le lise. Ensuite, le troisième tome, Meurtre et Muffin aux myrtilles. Et il est probable que je fasse des muffins aux myrtilles et que je vous montre ça. Si je trouve des moules d'ici là, il est fort probable que je le fasse. Ensuite, je lirai le dernier roman de Georgina Tchenasserin, Le Dernier King, Le Lit d'Aliénor. Et donc celui-ci, c'est pas un nouveau roman, c'est une réédition, il me semble. Mademoiselle Coco et l'eau de l'amour de Michel Marny que j'ai trop envie de lire et voilà, j'ai pas pris le temps au moment de sa sortie donc il attendait sagement dans ma palle. Et pour terminer, Le Loup des Cordeliers qui est le premier tome d'une saga qui se passe voilà, au moment de la Révolution française. Voilà, j'ai trop hâte de le lire aussi. C'est vraiment que des romans, ça je sais pas, ça s'appelle la poussière, c'est quoi ce truc là? Je crois que c'est les trucs de la gomme. Enfin bon, bref. Donc voilà. Plutôt pas mal, hein. On a un beau planning, là. Donc là, je vais recopier cette liste dans cet ordre, dans cette colonne-là. Et puis après, j'irai déjeuner. Et si j'ai le temps, on reprendra ensemble le remplissage de ce planning. Sinon, on fera demain. Voilà. À tout à l'heure. Hello. J'espère que vous allez bien. Je vous reprends donc après ma pause déj. Il me reste que quelques minutes avant de reprendre le travail. Je suis désolée si vous entendez du bruit de fond. Ils sont en train de couper je ne sais quoi dans le parc à côté. Donc ça risque de faire un peu de bruit. D'ailleurs là, je pense que vous l'entendez un peu plus. J'en aurai pas pour très longtemps. Donc je n'ai pas continué mon planning. Je le ferai sûrement demain. Je continuerai demain pendant ma pause déj, je pense, ou en fin de journée, je ne sais pas. Je verrai ça à ce moment-là.
Là, je vais reprendre le travail. Moi, j'ai profité des quelques minutes que j'avais pendant cette pause déj pour continuer à lire ce roman. Donc, c'est le tome 1 de la saga Sa Majesté mène l'enquête, qui est un cozy mystery qui se passe donc en Angleterre, au sein de la famille royale, on va dire ça comme ça. Donc j'en suis au début, j'ai pas beaucoup avancé, j'ai lu 60 et quelques pages. J'ai pas beaucoup avancé parce que, bon, bah, comme je vous le disais la dernière fois, ce week-end, j'ai quasiment rien lu. Donc là, je me remets petit à petit à la lecture. Donc voilà, donc là je reprends goût, j'y reprends goût, donc je ne me stresse pas, tout va très bien. Les 60 premières pages, je n'ai pas grand-chose à vous dire dessus pour le moment, à part que pour le moment j'aime bien l'ambiance qui est posée. On est sur un début de Cozy Mystery assez classique, hein. On vient de découvrir un cadavre, il va y avoir une enquête, et voilà. Rien de bien original pour le moment, mais j'aime beaucoup l'ambiance. À voir par la suite. Voilà. Sinon, ce soir, je vais à une soirée organisée par les éditions Robert Laffont pour rencontrer Alia Cardin dans le cadre de la sortie de son dernier roman. Je suis trop contente. Ouais, je suis trop trop contente. Je suis trop trop contente. Je vous en avais parlé dans un des précédents vlogs. J'ai déjà chroniqué ce roman, donc si vous allez voir sur mon Instagram, vous retrouverez ma chronique. Son dernier roman s'appelle Archie, c'était un nom que j'ai adoré et j'aime beaucoup cette autrice. J'avais adoré Mademoiselle Papillon, enfin voilà. Donc ce soir, il y a un petit événement pour la rencontrer et pour échanger avec elle, donc j'ai trop trop hâte. Ça va être génial. Je vais essayer de filmer un petit peu, enfin du moins de faire quelques prises. Pour partager ça avec vous. Donc voilà. Après, il est possible que je fasse plus de stories Instagram que je vais essayer de filmer pour le vlog. Mais dans tous les cas, je partagerai des photos sur Instagram. Donc n'hésitez pas à me suivre sur Instagram si vous ne me suivez pas ici. Parce que je partage quand même beaucoup de choses en story. Voilà. Donc ça, c'est pour la journée. Donc je vais avancer dans le travail parce que je vais devoir finir. Je pourrais pas finir trop tard pour être à l'heure à l'événement. Voilà. Donc j'ai trop trop hâte. Je contiens. Bon voilà. Bon, je vais aller travailler parce que mine de rien, le temps passe. Et puis je vous dis à tout à l'heure. Mes cheveux, c'est n'importe quoi. Je suis désolée. Bon, on n'est pas là pour être top modèle, on s'en fiche. Allez, ciao. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nous sommes jeudi, en fin de journée. Il pleut, il ne fait pas très beau. C'est vraiment le temps, temps tout moche, temps d'automne. Mais c'est pas grave, c'est des moments cosy qui nous attendent et cocooning, et on adore ça. J'espère que vous allez bien. Hier, j'étais à la soirée Robert Laffont avec Alia Cardin pour la sortie de son dernier roman Archie. Donc j'étais trop contente, déjà parce que j'aime beaucoup les romans d'Alia Cardin et j'ai découvert une autrice exceptionnelle. Elle est hyper gentille, elle est très accessible, elle est, je sais pas, elle est douce, pétillante. Bref, c'est vraiment une femme que j'ai adoré rencontrer. Donc j'étais plus que ravie de connaître aussi l'équipe de Robert Laffont. J'ai rencontré des gens exceptionnels, extrêmement gentils. C'est vraiment une très très belle soirée. J'ai revu également des personnes que je connais depuis Bookstagram. Donc ça, c'était vraiment génial. On était dans un lieu mais splendide, c'était trop beau. Donc ceux qui habitent à Paris ou qui sont de passage à Paris, gardez l'adresse parce que la pâtisserie est vraiment géniale. C'était la pâtisserie Bon Temps, je crois. Voilà, bref. Je vous le conseille, c'était divin. Une fois que j'ai dit ça,
Je ne vais pas revenir sur Archie parce que j'en ai déjà beaucoup parlé dans un vlog précédent. Par contre, je vais vous parler de ce petit album ici. En fait, c'est un album, je ne sais pas si vous voyez bien, c'est un album qui a été écrit par Alia Cardin et Léa, je crois que Léa Tecan, alors ça, j'ai pas bien suivi, je ne sais pas si c'est l'illustratrice. Mince, j'ai pas vérifié avant de vous prendre. Bon, tant pis. Tant pis, c'est un album. Ah voilà, illustratrice franco-chinoise Léa Decan. Voilà, donc l'illustratrice c'est Léa Decan et le texte est d'Alia Cardin. Donc je ne savais pas qu'Alia écrivait des albums jeunesse, donc j'ai été ravie de l'apprendre. J'ai pu obtenir un exemplaire, donc trop bien, on est trop contents, on aime trop. Je l'ai feuilleté hier. Rapidement parce que j'allais pas prendre le temps de le lire, mais juste pour regarder les illustrations. Et c'est tellement puissant, ça, j'ai refermé l'album avec un... Vous savez, juste les images parlent d'elles-mêmes, le travail est exceptionnel. Donc de ce que j'ai compris, parce que je ne l'ai pas... Oh non, pitié. Je pense que vous allez entendre des voix derrière et sûrement du bruit, ce sont les travaux chez les voisins. Bon, c'est pas grave, hein. J'espère que vous les entendrez pas trop et qu'ils ne parleront pas plus fort que moi. J'ai donc l'histoire de cet album, je vais reprendre le fil de ce que je racontais. Donc on est dans une famille avec une petite fille et ses parents, tout se passe très bien, la petite fille adore ses parents, etc. Et les parents vont avoir un autre enfant. Donc la petite fille va être grande sœur. Sauf que sa petite sœur, du coup, va naître avec quelques mois d'avance, d'après ce que j'ai compris. Et elle aura quelques problèmes de santé. Et donc ça va un peu chambouler le quotidien Attendez, je reviens parce que là, je crois qu'il y a trop de bruit. Ça va être désagréable pour vous. Ok, je suis désolée, j'ai dû couper parce que il y a des travaux chez mes voisins et des fois ils laissent la porte ouverte et ils parlent dans le couloir et on entend vraiment beaucoup et je me suis rendu compte dans le précédent vlog que je suis en train de monter que vraiment on entend beaucoup la voix des ouvriers. Bon, j'essaie de couper quand ça arrive, histoire que ça ne vous dérange pas trop et que ça ne soit pas trop désagréable à l'écoute. Donc voilà, je m'en excuse. Donc si je reprends le fil de ce que j'étais en train de dire, dans cet album, on va suivre une famille, donc une petite fille avec ses parents. Tout se passe bien, la petite fille adore ses parents, c'est une vie de famille relativement classique. Et un jour, les parents vont avoir un autre enfant. Donc cette petite fille va être grande sœur. Sauf que sa petite sœur va naître avec quelques semaines d'avance et elle aura quelques problèmes de santé. Ce qui va chambouler complètement le quotidien de cette famille et principalement le quotidien de cette petite fille parce qu'elle n'aura plus, comment dire, je ne vais pas dire l'attention des parents telle qu'elle l'avait avant, mais... Voilà, il y aura beaucoup d'attention qui sera donnée à la petite sœur. Enfin, voilà, tout va se chambouler pour cette petite fille. On va un peu essayer de voir comment ça se passe dans la tête, justement, des enfants quand ce genre de situation arrive. Donc, j'en sais pas beaucoup plus, hein, parce que je n'ai pas tout lu. J'ai lu quelques pages. Il n'y en a pas beaucoup, hein, c'est vraiment un album jeunesse. Mais les illustrations sont juste dingues et parlent d'elles-mêmes. C'est vraiment incroyable. C'est vraiment incroyable, pardon, comme ma bouche était derrière l'album, je ne sais pas si vous m'avez entendu. Le travail est vraiment exceptionnel. Je suis sous le charme de cet album et je compte bien le garder dans ma bibliothèque. C'est vraiment exceptionnel comme travail. Je suis vraiment sous le charme. Donc voilà, ça c'était pour vous présenter cet album. Il est sorti cette semaine, donc quand vous aurez ce vlog, il sera déjà sorti. Donc si jamais ça vous intéresse, je vous invite à aller regarder. L'album s'appelle Le bébé le plus minuscule du monde d'Alia Cardin et de Léa Decan, paru chez Robert Laffont. Voilà, je vous laisserai aller regarder si jamais ça vous intéresse. Autre chose,
J'ai reçu aujourd'hui, donc j'ai ouvert parce que en fait, c'est désagréable le bruit des papiers. Je me suis rendu compte de ça en montant le précédent vlog. Et d'ailleurs, vous aurez vu, enfin au moment où vous aurez celui-ci, vous aurez déjà vu. Mais j'ai coupé le son, coupé, accéléré, coupé le son de quand j'ouvre les papiers. Parce que je trouve ça désagréable à l'écoute. Et en plus, quand on fait du montage, on réécoute le passage plein de fois. Au bout d'un moment, j'en pouvais plus, donc j'ai coupé et j'ai... Voilà, bref, je raconte ma vie, c'est pas grave. Oh, c'est dédicacé, c'est génial! J'ai reçu le dernier roman d'Olivier Saurin, Sur le bout de la langue, paru aux éditions Des Lacs. C'est l'auteur qui m'a contactée pour me proposer son roman, qui vient de sortir ou qui va sortir, à vrai dire, je ne m'en rappelle plus. Mince. Bon, bref, je pense que quand vous aurez ce vlog, il sera déjà sorti. Au pire, je vous le mettrai en barre d'infos. Le résumé, alors je ne sais pas de quoi ça parle, je n'en ai aucune idée. J'ai dû voir le lire au moment de la proposition, mais à vrai dire, je ne m'en souviens plus. Donc je vais vous le lire et le découvrir en même temps que vous. On y va. Donc le titre, c'est Sur le bout de la langue. Alors... quel rapport peut donc exister entre la disparition d'un chanteur de pop britannique, un homme de dos avec une valise bleue dans un aéroport, et le bon goût des palmitos? Bonne question, à vrai dire. Je ne vois pas. C'est le mystère que vont devoir résoudre chacun de leur côté, Lubin et Blanche. Si tout semble séparer ces deux inconnus, l'annonce du décès de Mark Hollis, le chanteur de Talk Talk, est un véritable cataclysme dans leur vie. Pourquoi ? Un concours de circonstances qui n'a rien d'une coïncidence va les rapprocher pour mieux les contraindre au souvenir. Sur le bout de la langue est comme une madeleine de Proust, ce bon goût qui nous ramène directement en enfance, et comme un sentiment que nous n'arrivons pas à formuler. Sur le bout de la langue est à la fois un hommage au souvenir et un hymne à l'avenir. Olivier Saurin dissémine des fragments d'être comme des pièces de puzzle. De puzzle. Ça, je ne sais jamais comment on prononce ce mot. À vrai dire, il y a toujours deux équipes. J'ai l'impression qu'il y a deux teams. La puzzle et le puzzle. Moi, j'ai toujours dit puzzle. Je ne sais pas si c'est comme ça qu'il faut le dire. Bref. Olivier Saurin dissémine des fragments d'être comme des pièces du puzzle qui s'assemblent au fil des pages jusqu'à dessiner la fresque que nous avions sous les yeux depuis le début, sans pour autant la voir. Tout en nostalgie, Olivier Saurin dépeint une fois de plus l'insoupçonnable force des liens qui nous unissent dans ce roman où les occasions manquées ont autant d'importance que celles que nous avons le courage de saisir. Ça a l'air sympa, ça. La couverture, la photo, elle est splendide. Je sais pas si vous voyez bien. Bon, ça, c'est la couverture globale, mais j'adore la photo. J'aime vraiment beaucoup. Et merci beaucoup. Je suis ravie. Je pense que je le lirai décembre, janvier. Faut que je prépare ma liste décembre, près décembre, comme il y a les vacances de Noël. C'est les vacances où on a du temps, mais jamais vraiment. Donc, je pense que je vais pas prévoir trop de lectures. Pardon, je viens de recevoir un message. Donc, voilà. Autre chose que je voulais vous dire. J'ai rempli... Hier, on a fait ensemble mon planning de lecture pour le mois de novembre. Donc là, j'ai rempli sur cette page-là, comme je vous avais montré, la liste des romans que je souhaitais lire. Donc, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9. 9. J'en ai déjà lu 9 ce mois-ci, dont des tout petits. Là, il y a quand même des gros et je suis vraiment pas sûre de tenir les 9. Là, je rajouterai rien du tout dans cette liste parce que je suis quasiment sûre que je n'arriverai pas à tout lire. Donc, voilà. J'ai, dans la liste que je vous ai montrée hier, j'ai oublié Hitchman à Buenos Aires. Je vous avais dit que j'allais le proposer en lecture commune. Si certains parmi vous étaient intéressés, vous me le dites en commentaire. Et j'organiserai une lecture commune sur le mois de novembre. Donc j'avais oublié dans la liste, donc je l'ai rajouté. Donc je n'ai pas 8 livres à lire, mais bien 9. Donc voilà, donc pour ceux qui veulent savoir de quoi parle Hitchman à Buenos Aires d'Ariel Manus, c'est l'histoire de Monsieur Hitchman, de prénom, je ne sais pas. C'est comment son prénom, monsieur ? Adolphe, voilà. Adolphe Hitchman,
qui était le logisticien de la solution finale pendant la Seconde Guerre mondiale. C'était un nazi. Il s'est ensuite enfui en Argentine, à Buenos Aires. Alors, à vrai dire, je ne sais pas si c'est un fait qui est confirmé ou non, mais je sais que plein de nazis se seraient enfuis en Amérique du Sud. Donc, je ne sais pas si pour ce monsieur, ça a été confirmé ou non, je n'en sais rien. Et donc, ça va être un peu cette histoire-là. Je vous invite à aller voir mon précédent vlog si jamais vous voulez le résumer, ou vous le trouverez facilement sur Internet. Si jamais vous voulez lire avec moi, laissez-moi un petit commentaire ou écrivez-moi sur Instagram comme vous voulez. Et puis, on le lira ensemble. Voilà. Sinon, je n'ai pas commencé à remplir mon calendrier, vous savez, des publications. Je suis à la bourre. Je suis à la bourre. J'ai pas le temps. Là, j'ai trop de boulot. J'ai pas mal de choses à faire. Donc là, j'ai pas le temps. Je pense que je m'en occuperai demain soir. Non. Je pense que je m'en occupe. Ouais, je vais voir demain. Demain, j'essaierai de le faire. Sinon, tant pis. Là, j'ai un rendez-vous médical dans pas très très longtemps. Donc, ça serait bien que je sois pas trop en retard. Donc là, je vais aller me préparer et puis je vais y aller. Et ce soir, je reprendrai ma lecture. Celui-ci. Vous savez, je suis en train de lire le premier tome de Sa Majesté mène l'enquête, bal tragique à Windsor. Et j'aime bien. J'en suis à la page 80. J'avance tellement doucement que ça me désespère. Mais j'aime vraiment beaucoup parce que on découvre une reine qui est vraiment gentille. Enfin, elle est douce. Enfin, elle est attentionnée tout en étant discrète. C'est vraiment agréable. Et bon, pour le moment, on n'en sait pas beaucoup plus. On a découvert un corps. Une enquête va commencer. Et rien de bien plus. Enfin, il ne se passe pas grand-chose. Pour le moment, on pose le décor, on pose les personnages, on découvre les personnages au fur et à mesure. C'est très cosy, c'est très british, c'est très toutes les ambiances que j'aime beaucoup. À vrai dire, je préfère, pour le moment, je préfère ce roman, ce cosy mystery à Marie-Antoinette, le précédent que j'ai lu. Je le préfère parce que l'ambiance, je préfère par rapport à l'ambiance. Vous voyez, dans Marie-Antoinette, il y a beaucoup d'humour, ce qui est très bien, hein. J'ai beaucoup aimé. Mais là, tout de suite, dans l'immédiat, c'est ce style-là que j'ai envie de lire. Et voilà. Mais sinon, j'ai beaucoup aimé aussi la saga de Marie-Antoinette, hein. Donc voilà, je vais vous laisser là. Je vais arrêter de parler pour ne rien dire. Et je vais aller me préparer pour mon rendez-vous médical. Et je vous dis sûrement à demain. Je ne pense pas vous reprendre ce soir. Je vous fais des bisous. Ciao! Hello, j'espère que vous allez bien. On est dimanche. Je suis un peu déphasée, je crois qu'on peut le dire comme ça. Je viens de me réveiller d'une sieste d'une heure et demie. Ce n'était pas prévu, mais ça fait du bien. Vous savez, le genre de sieste, quand tu te réveilles, tu ne sais plus qui tu es, où tu habites. Il faut un moment pour savoir tout ça. Voilà, c'était ce genre de sieste qui fait vraiment du bien. Et qui parfois est nécessaire. Donc là, ça y est, je commence à émerger. J'avais prévu de passer toute l'après-midi
à lire parce que, comme vous avez dû le voir dans les vidéos précédentes, j'étais à Provins hier. On est parti visiter la cité médiévale. C'était super chouette. Vraiment, je ne connaissais pas. Pour le coup, je n'y avais jamais été et j'ai vraiment adoré. Je trouve que bon, on y a passé toute la journée et c'était suffisant. On a vu beaucoup de choses. Donc c'était cool. On a vu, donc on a visité pas mal de petits monuments. On a visité un musée qui remet en scène les différents métiers de l'époque, le tissage. On a fait ce musée-là, c'était super chouette. J'ai adoré la vue de la tour. Ça s'appelle la tour César. J'ai pas En fait, j'ai pas filmé en haut, mais la vue est splendide, vraiment magnifique. Normalement, j'aurais fait un réel sur Instagram, donc si jamais vous voulez voir, je vous invite à aller voir mon Instagram. C'est vraiment trop trop beau, et si vous avez l'opportunité d'y aller, je vous le conseille. Sur une journée, ça se fait très bien. C'est vraiment splendide. J'ai aussi été voir une librairie, ce qu'ils appellent la librairie médiévale. À vrai dire, c'est une librairie qui est dans un lieu ancien, une ancienne maison, très 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 ancienne. Et c'est vrai que dans toute la ville, dans toute la cité, les maisons qui sont dans le côté historique, même un peu plus loin, les maisons sont vraiment très très anciennes et on le voit à l'architecture, au toit et tout ça, et c'est vraiment splendide. Et donc la librairie, elle est dans une maison comme celle-ci, où on descend les escaliers, et c'est des escaliers en pierre. C'est vraiment très joli. Normalement, je vous aurais mis une petite vidéo de ça. Voilà, là, je me prépare mon petit thé, comme vous pouvez le voir. J'ai ma lecture que normalement, j'aurais dû déjà finir. Mais entre-temps, j'ai dormi. Donc là, je vais me faire une bonne heure. Ou deux, hein. Je pense que pour lire ça, il me faudra bien 2 heures. Et puis, je vous reprends tout à l'heure. Je vous fais des bisous. Ciao! Tout le monde, j'espère que vous allez bien. J'ai terminé ma lecture. Sa Majesté mène l'enquête, le bal tragique à Windsor. J'ai bien aimé. C'est pas un coup de cœur, mais c'est quand même une lecture que j'ai beaucoup aimée. Je vais vous pour faire un résumé de l'histoire, on suit la reine Elisabeth II qui est dans son château à Windsor, qui est son château préféré. Et dans ce château va avoir lieu un Dine and Sleep, qui est une espèce de soirée pyjama dansante avec un bal et un petit déj le lendemain façon brunch et tout. Le truc, on a trop envie d'y aller. Et donc avec pas mal d'invités. Et le lendemain, on découvre un cadavre dans une des chambres des invités. Donc c'était un homme qui a participé à la soirée, qui est retrouvé mort dans une tenue très très légère et pour le moins particulière avec de la lingerie féminine. Donc assez surpris, tout le monde essaie de garder ça en secret et d'enquêter dans le secret pour ne pas les médias découvrent l'histoire et que ça fasse la une de tous les tabloïds. Donc voilà, et donc on va suivre cette enquête pour essayer de comprendre qui a tué cet homme et surtout que l'enquête avance rapidement et qu'on trouve rapidement le coupable parce que le couple Obama est attendu par la reine et on souhaiterait que le coupable soit arrêté avant que ce fameux couple n'arrive et que arrive en Angleterre. Voilà un petit peu pour le résumé.
Donc on va suivre une enquête et les services secrets, ce qu'ils appellent le M15. Je crois que c'était ça, le M15 ou le M16 ou quelque chose comme ça, va enquêter sur ce meurtre afin de trouver le coupable. Je ne vais pas vous en dire plus concernant les différentes pistes et comment l'enquête va se mener. La reine, de son côté, est assez dubitative quant au comment je pourrais dire ça? Elle est assez dubitative quant à ce que pense le M15, aux pistes que prend, qu'essaie de suivre le M15 pour trouver le coupable. En fait, tout ce qu'ils imaginent, elle n'y croit pas trop. Et donc, elle va mener en secret sa propre enquête. Et pour cela, elle va demander de l'aide à sa secrétaire personnelle, qui, je crois, on n'appelle pas ça une secrétaire personnelle. Comment elle s'appelle? Ah, si, sa secrétaire particulière adjointe, pardon. Qui s'appelle Rosie, et elle va lui demander, pas nécessairement frontalement, mais elle va lui demander de lui rendre quelques petits services, et ces petits services auront pour objectif de ce que la reine fasse et mène sa petite enquête toute seule. Donc voilà, et donc on va voir donc Rosie qui va aller rencontrer différentes personnes, des anciens fonctionnaires de la reine, des gens qui ont travaillé pour elle, des personnes qui ont participé au Dine and Sleep, et donc elle va les interroger, mais tout ça dans le secret, parce qu'il ne faut surtout pas que les personnes, les enquêteurs le découvrent, parce qu'il faut toujours garder les apparences, et il ne faut surtout pas que ces personnes pensent que la reine ne leur fait pas confiance. Donc tout est très dans la retenue, dans le secret, c'est so British, je ne sais pas comment le dire autrement. Moi j'ai bien aimé cette ambiance un peu on avance, mais en même temps on n'avance pas. On sait des choses, mais en même temps, on ne sait pas grand-chose. La personne qui mène l'enquête, c'est la reine, mais la reine ne dit rien. Donc, on avance, on découvre des trucs, mais le lien entre les différentes affaires, vous savez, les différentes pistes, parce qu'au final, il n'y aura pas un seul mort, il va y en avoir plusieurs, mais le lien entre chaque, et ben, moi, je ne l'ai pas vu venir, et il y a. Et on n'a aucune piste qui nous aide à y voir plus clair parce que la reine est toujours dans la retenue et n'exprime pas ce qu'elle pense et ce qu'elle imagine. Voilà. Donc on est très dans cette ambiance-là. On est vraiment dans cette ambiance où tout est dans la retenue et tout est dans le secret. J'ai adoré le personnage de Rosie. J'ai cette femme qui... Elle n'a pas grandi dans les grandes, elle n'a pas fait de grandes écoles très chères. L'équitation, elle en a fait, mais enfin, voilà, c'est vraiment un personnage que j'ai adoré. Elle est toujours en tailleur, vous savez, les jupes crayons, pour ceux qui ne savent, enfin, je ne sais pas si tout le monde sait ce que c'est qu'une jupe crayon, c'est, vous savez, les jupes qui sont un peu en dessous du genou, à hauteur du genou, et qui sont très très serrées. Et donc, quand elle doit faire sa révérence avec cette jupe-là, quand c'est décrit, c'est assez drôle parce qu'elle le fait très bien. Enfin, il y a peu d'humour, mais il y en a quand même et c'est assez subtil. Donc voilà. Donc c'est très différent de ma précédente lecture qui était le Marie-Antoinette. Je ne sais plus comment ça s'appelle exactement. Mais vous savez, le roman de Marie-Antoinette que je vous ai présenté dans le précédent vlog. C'est très différent. On n'est pas du tout dans le même registre. Même si ça reste un cozy mystery, ça reste très différent. Celui-ci, on a beaucoup moins d'humour, mais c'est très... Moi, j'ai adoré. J'ai trouvé ça très bien. Et par contre, il y a beaucoup de personnages. Alors, si vous voulez vous lancer dans cette lecture, suivez bien tous les personnages qui sont présentés. Aussi bien les enquêteurs que les invités du Dine and Sleep. Notez bien tout ou retenez tout parce que on fait souvent référence à eux et c'est primordial pour comprendre le dénouement et le coup de théâtre final. Moi, je sais qu'à plusieurs reprises, surtout que je l'ai lu sur la semaine entière parce que bon, bah, en ce moment, je suis un peu débordée donc
Donc, j'ai pas le temps de lire autant que je lisais avant. Mais comme je l'ai lu sur plusieurs jours, il y a des moments où je me dis, mais c'est qui ce personnage déjà? Donc, l'auteur arrive assez bien à nous resituer. Du coup, je me suis pas sentie si perdue que ça, mais ça m'a quand même pris quelques moments, quelques secondes pour me dire, alors attends, qui c'est cette. Oula, qui c'est cette. Ce personnage, qui c'est? Et donc voilà, donc ça c'est un petit peu dérangeant par contre. Voilà, surtout qu'il y a plein de noms qui se ressemblent. Ça c'était un peu le seul point. Le seul point de vigilance que je mettrais, mais sinon le reste. Est assez agréable. Le lien, bon, alors ce que j'ai adoré, c'est le lien qui est entre chacun des meurtres. Vous savez, les plusieurs meurtres ont eu lieu, et le lien entre chaque, incroyable. Je ne m'y attendais pas du tout. Par contre, le coup de théâtre final ou la raison qui a mené à ça, bon, je suis un peu plus dubitative, mais ça ne m'a pas gâché ma lecture. Moi, je garde un très très bon ressenti sur ce roman. Et avec plaisir, je lirai le deuxième. Donc, je sais que les avis étaient assez mitigés et je peux le comprendre parce qu'on est sur un cozy mystery qui est assez différent des autres que j'ai pu lire. Par exemple, j'ai à côté de moi celui que je vais lire juste après qui est Meurtre et Charlotte aux fraises. Les enquêtes d'Anna Swensen, qui est aussi un cozy mystery, cozy murder. Je ne sais jamais si on dit l'un ou l'autre, si les deux sont réellement différents. Je sais que le premier, par exemple, si je me réfère au premier tome que j'ai lu, on est sur des cozy qui sont totalement différents. Ça n'a rien à voir. Et alors, si on compare avec les Marie-Antoinette, j'ai du mal à me rappeler. Marie-Antoinette. Oh, je perds la mémoire. Je ne sais plus comment s'appelle cette saga, mais si je compare avec celle-ci, c'est encore complètement différent. Donc c'est un choix, faut voir ce que vous voulez lire et si ce genre d'ambiance pourrait vous plaire. C'est très, très, très anglais, très british, très, très, voilà, on est très là-dedans. Moi, ça ne me dérange pas du tout et j'ai adoré ma lecture. Mais voilà, faut juste en avoir conscience. Et bien évidemment, je vous le conseille. Mais notez bien les personnages parce que c'est pas évident de tout suivre. Voilà. Je crois qu'il est temps de clôturer ce vlog qui, je l'espère, ne sera pas trop long parce que j'ai quand même beaucoup filmé cette semaine. Donc j'espère que vous avez passé un agréable moment et que vous avez aimé visionner cette vidéo. Je vous dis à très vite pour un nouveau vlog. Oh, j'arrive pas à parler, c'est très compliqué. Cette fin est nulle, mais ce n'est pas grave. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Et merci beaucoup pour tous ceux qui m'envoient des messages et qui laissent des commentaires. Votre soutien me fait chaud au cœur et c'est toujours un plaisir. C'est vrai que j'ai été très stressée au début de me lancer dans cette aventure YouTube, mais au final... ça se passe très bien. Je suis désolée si vous entendez du bruit. C'est encore, je ne sais pas ce qu'ils font dans ce parc, mais c'est encore les travailleurs, enfin je ne sais pas ce qu'ils font, les jardiniers ou je ne sais pas trop quoi, qui doivent enlever les feuilles mortes, je pense. Et ça doit être vous savez, les machines. Là, ça y est, normalement, ça s'est calmé un petit peu. Je vous dis à très vite pour un nouveau vlog. Et j'espère que vous avez aimé. N'hésitez pas à laisser un commentaire. Je vous fais des bisous. Ciao.